Stade Toulousain, podcast. On représente quelque chose ici qui est important pour Toulouse, pour les Toulousains. Le Stade Toulousain fait partie de la culture de la ville et on en a un peu ses représentants. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous. Il a connu dans sa carrière deux clubs, la section paloise et le Stade Toulousain. Avec Toulouse, il a gagné ses titres, 4 Brennus, 3 Coupes d'Europe. Il est aujourd'hui co-entraîneur de l'équipe Espoir et entraîneur assistant de l'équipe première. Avec Clément Poitronneau, il est le recordman des matchs joués en Coupe d'Europe pour le Stade Toulousain. Jean Bouilloux est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Avec le printemps revient les phases finales. On va se replonger un petit peu dans tes souvenirs européens. Si tu avais un souvenir particulier à nous raconter justement sur tes campagnes européennes, ça serait quoi ? Il y en a énormément. Le premier souvenir qui me vient, c'est l'ambiance des quarts de finale au stadium. Justement ce premier week-end d'avril, souvent après le tournoi, il commence à faire beau. Et voilà, j'ai des souvenirs de... Ça ressemble un peu à une fête, quoi. Les supporters venaient au stadium en nombre, le stade était toujours plein. On récupérait, nous, de notre côté, l'équipe dans son complet. Et c'est toujours un match forcément important et charnière de notre saison. On sait que le Stade Toulousain est le club le plus titré d'Europe avec aujourd'hui le Leinster. Il y a un héritage à assumer en Coupe d'Europe pour Toulouse ? Je sais pas. Honnêtement, moi, quand j'ai commencé au Stade Toulousain, le club n'avait été qu'une fois champion d'Europe. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2003. Et donc, est-ce qu'il y a un héritage ? Est-ce que je suis pas certain. Je crois qu'à l'époque, les objectifs ont été vraiment de gagner la Coupe d'Europe. Et l'équipe avait tendu vers cet objectif. Et j'aime pas trop cette idée d'héritage parce que des fois, ça fait porter un peu un poids trop important sur les épaules. Alors que finalement, il n'y a qu'à jouer au rugby. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que le format européen plaît au Stade Toulousain parce que c'est souvent un jeu fait de vitesse et de prise d'initiative. Toulouse retrouve les phases finales de Coupe d'Europe avec un quart de finale à l'extérieur. Tu sens une ambiance particulière ? Pour l'instant, pas d'ambiance particulière. C'est plutôt, on va dire, le calme avant la semaine de pression ou la semaine de travail qui va amener au quart de finale. Par contre, c'est vrai que ce que je sens, c'est que voilà, le printemps arrive. On sent les joueurs motivés, en tout cas, ce qui est sûr, pour cette première échéance de l'année qui est vraiment importante pour nous. Et je crois qu'on va rentrer petit à petit dans ce quart dans la semaine. Alors, on a croisé Mylène Tamac et on lui a demandé si c'était plus compliqué de jouer un quart à l'extérieur. On l'écoute. Oui, je sais pas si c'est plus compliqué. C'est plus compliqué forcément au départ, c'est un premier aspect. Après, je dis quelque part aussi, ça fait une pression de moins parce que la pression, on la prend quand on est à la maison. On s'est dit qu'on ne peut pas passer à côté. Et finalement, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Là, on sait que ça va être très difficile, mais je sais que voilà, quand on n'attend rien, qu'on ne se juge pas sur un résultat, c'est là qu'on est aussi libéré, qu'on se sent peut-être capable de pouvoir aussi prendre des initiatives différentes. Donc non, je pense que c'est plutôt bien même d'aller faire ce quart de finale à l'extérieur. Ça va rester un match très compliqué, forcément, c'est une équipe du Racing qui est prévenue, et plus que prévenue, parce qu'on les a croisés récemment en championnat, et qui sait que Toulouse peut être redoutable. Donc ça va rendre le match encore plus difficile, mais ô combien, je dirais, plus vigoureux, et surtout, à la limite, honorable, si on est capable d'aller chercher une victoire là-bas. Jean, tu partages ce sentiment ? Ça enlève de la pression d'aller jouer à l'extérieur ? Moi, de mon expérience perso, les matchs à domicile, quand même, c'est des matchs où c'est de la pression, mais c'est de la bonne pression. J'ai des souvenirs, comme je vous disais, de victoires ici à domicile. Et les matchs à l'extérieur, alors, c'est vraiment le problème de la culture française, ou qu'on met dans la tête des joueurs aussi. Hein. On le voit avec notre équipe cette année, qui est jeune et qui a peur de rien et qui gagne beaucoup de matchs à l'extérieur. On a toujours ce sentiment que l'extérieur, c'est plus difficile. Alors que finalement... Alors est-ce que c'est cette nouvelle génération ? En tout cas, j'ai l'impression que eux, pour le coup, ça changera pas grand-chose. Ce match, ils vont l'aborder comme si c'était un match, un match quoi, un match à domicile ou à l'extérieur pour eux. Je pense que ça restera un match, et tant mieux pour eux parce que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Le risque, peut-être, c'est leur premier match éliminatoire de la saison. Ce sera peut-être ça le danger. Oui, mais c'est aussi le premier match éliminatoire pour le Racing. Aussi, mais qui a peut-être plus l'expérience de ces matchs de Coupe d'Europe. Oui, c'est sûr. Ils restent sur deux finales, oui. Perdues certes. Mais... C'est vrai. Mais beaucoup de joueurs ont joué le quart de finale perdu au Munster il y a 2 ans. Ils ont été aussi de la partie contre Castres et à domicile perdu.
Donc je pense qu'ils ont en mémoire ces matchs-là aussi. Et que je pense qu'ils se sont dit des choses après le match de perdu contre Castres à domicile. Et je pense qu'ils seront prêts pour le quart de finale. Alors je le rappelais en préambule que tu étais entraîneur assistant de l'équipe première et tu t'occupes plus personnellement de la touche toulousaine. Et on sait par exemple que le Racing, hein, 92, est un adversaire qui est très bon dans ce secteur du jeu. Hein. Pour toi, il y a un peu d'excitation de préparer ce genre de match face à un tel adversaire dans ce domaine-là, dans oui, ce c'est secteur. Sûr qu'il y a une excitation. On essaie de voir un peu qu'est-ce que va prévoir l'adversaire, avec qui ils vont jouer, puisqu'ils ont des joueurs... extrêmement grand en troisième ligne, en seconde ligne. Donc il y a cette excitation de coach, mais aussi ne pas trop vouloir brouiller la tête des joueurs, leur en donner juste les informations les plus importantes. Parce qu'on aurait tendance à vouloir donner trop de choses. Et ça, voilà, ça, c'est à nous à faire le tri pour qu'ils tirent la quintessence ou l'essence même de l'esprit dans lequel ils doivent aborder le match, notamment sur la touche. Donc oui, voilà, il y a un gros travail en amont pour un peu déblayer le terrain et leur donner juste l'essentiel qui leur permettra voilà, de ne pas trop converger sur le match. On parle souvent aussi de transmission ici au sein du stade toulousain. Toi, qu'est-ce que tu as envie surtout de transmettre? La culture du club, c'est déjà c'est la culture de l'excellence. On est au stade toulousain, on n'est pas n'importe où. Et ça, il faut que chaque joueur qui met le maillot le comprenne et on essaie de leur expliquer cela. Donc l'excellence, c'est quoi? C'est forcément le résultat, gagner les matchs, mais pas que, c'est aussi rentrer dans ce que c'est la culture du club, de toutes ces dimensions du jeu, de son comportement. Voilà, on représente quelque chose ici qui est important pour Toulouse, pour les Toulousains. Le Stade Toulousain fait partie de la culture de la ville. Et on en a un peu ses représentants. Voilà, les maillots ne nous appartiennent pas, on est de passage, on met le maillot, il faut qu'on en soit fier et qu'on donne le max. Et ça, cette culture-là, je crois qu'elle est très ancrée. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont dans l'encadrement, parce qu'on véhicule vraiment ces valeurs-là. Et c'est important. C'est important, en plus, nous, d'avoir vécu ces succès, de les transmettre et d'expliquer, nous, comment ça s'est passé, de ne pas mettre de pression quand il n'y a pas besoin d'en mettre. Et, voilà. Et tous ces aspects-là, il faut que les joueurs baignent là-dedans. Quoi. Et tu es à la fois co-entraîneur de l'équipe Espoir, entraîneur assistant d'équipe première. C'est important également qu'il y ait des passerelles entre les deux. Alors les passerelles, c'est récent. On fait ça depuis cette année seulement, parce qu'avant, les deux équipes étaient... plus en dissociation. Cette année, d'avoir tout le staff en commun permet de vraiment beaucoup de ponts entre les jeunes et les pros. Beaucoup de communication aussi pour faire monter les jeunes quand ils le méritent, s'entraîner avec les pros, même pour certains jouer et qui perfent depuis quelques semaines d'ailleurs. Donc ça, c'est une façon de fonctionner qui est un peu novatrice et je crois qu'elle porte plutôt bien ses fruits. Donc je pense que c'est quelque chose qui sera amené à durer dans le temps. Alors on a croisé également pas mal de supporters, on va te faire écouter une question. Salut Jean, moi c'est Julie de Toulouse et j'aimerais savoir quel est le joueur qui t'a le plus marqué, impressionné, avec lequel tu as joué au Stade Toulousain et surtout pourquoi. Merci. Oui. Question compliquée. Question compliquée parce que j'ai eu la chance de jouer dans une génération de joueurs avec énormément de joueurs de niveau mondial. Donc c'est pas facile. Alors j'en sortirai qu'un qui correspond à ma génération, qui est Yannick Jozion, je dirais que voilà. En plus maintenant avec l'œil de coach, je me suis fait un plaisir à regarder tous les anciens matchs de phase finale. Et bon, alors quand on joue avec, on le sait, mais les années passant et en regardant les matchs avec un œil différent... je me dis que ouais, c'était un joueur assez exceptionnel qui a participé plus que grandement là, aux épopées du stade de l'époque. Et je dirais Yannick aussi parce qu'il caractérise aussi un état d'esprit que moi que j'aime dans le rugby, sans arrogance, sans en faire trop, mais toujours au service des autres, à la passe quand il faut, et dans le quotidien pareil, au service des coéquipiers. Quoi. Et voilà, donc c'était, je pense que c'est un peu l'emblème de notre génération. Les gars qui commencent à avoir 40 ans. Et votre génération aussi, on parlait souvent bon, des jeux de main, jeux de Toulousain et tout ça. Le jeu à la Toulousaine, pour toi, tu le décrirais comment? Alors, ce jeu de main, le jeu de Toulousain, c'est un peu... c'est presque une faute de goût, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que
on joue à la main, mais quand on a bien mascagné l'adversaire. Et je crois que dans les années 90, quand ils gagnaient, c'était comme ça. Nous, notre génération, c'était aussi ça. Et on le voit actuellement, hein, les victoires du club et ce jeu un peu extraordinaire à sa base, une défense de fer et une conquête qui tient la route. Et ça, c'est vrai que c'est quand même important. Alors après, ce qui fait la différence pour le coup, c'est ça, c'est que certaines équipes s'arrêtent à ça, à la conquête et à la défense. Et c'est là où le Stade Toulousain tente voilà, de faire parler sa culture du jeu avec donc le jeu de main, on va dire que c'est le jeu debout, quoi. La continuité, ne pas passer par le sol, voilà, c'est des grands principes de jeu hérités des années 80-90 et qu'on met au format 2.0, comme on va dire. On va te faire écouter une autre question. Bonjour Jean, écoute, donc Alexis de Toulouse, j'aurais une petite question à te poser, à savoir quels avaient été le meilleur souvenir que tu aies eu en rouge et noir sous le maillot, et ainsi que l'un des pires souvenirs que tu aies eu, voilà, si tu as des petits détails à nous donner à ce sujet, je suis preneur, salut, à bientôt. Alors on va commencer par le meilleur. Ouais, le meilleur. Alors le meilleur, oui. Alors il y a, ouais, j'imagine. Oui, il y en a plein. Il y en a plein, forcément qu'il y en a plein. Que dire, quand on est un ancien joueur, qu'est-ce qui reste? Ah oui, oui, forcément, il y a toutes ces grandes victoires qu'on a partagées avec tout le monde, hein, d'ailleurs, tous les supporters. Et on a vécu les mêmes émotions qu'eux, d'ailleurs, même si on a été acteurs du jeu. Moi, ce que je vais retenir le plus, c'est peut-être cet espace ici, en fait. Oui, on rappelle, on l'explique. On est dans les vestiaires de l'équipe première, hein, du Stade Toulousain. Voilà, certaines émotions d'être ici. Ouais. Je pense que je retiendrai cet espace, parce que j'ai vécu 13 ans ici. Et Tu te rappelles ton premier match? Oui, c'est ça, oui. Quand on est ici, on se souvient de tout, en fait. Des blagues de Cali, de Fred Michalak, de Clément Patronneau. Et ouais. Donc, mon meilleur souvenir, ça sera le vestiaire et les moments partagés avec les gars. Et le pire moment, ça fait appel à la fin de la carrière, un petit peu. En ce qui me concerne, puisque forcément, quand on est sportif de haut niveau, à un moment donné, ça s'arrête. Et c'est un moment où il faut savoir basculer sur autre chose. Et quand toute ma fonction pendant 15 ans, ça a été de jouer au rugby, bon voilà, c'est un moment un peu particulier. Mais après, sportivement. Il y a une défaite qui t'a marqué, voilà, peut-être plus qu'une autre. C'est contre nos meilleurs amis, c'est les Basques de Biarritz, où on a été quand même humiliés, sacrément humiliés en 2006. Et alors c'est marrant parce que ce match, ça me fait penser aux gars qui ont vécu le match contre Castres là il y a quelques mois, c'est-à-dire que nous, ce match-là, après on s'est dit plus jamais ça, mais vraiment on se l'est dit profondément. Et puis derrière, voilà, on a vécu, après 2006, on a vécu une épopée on va dire 2008 à 2012 avec beaucoup de succès. Et le fondement, c'est cette défaite où on avait tous 25-26 ans, et elle nous a marqué, cette défaite. On était humiliés vraiment profondément. Et je crois qu'à l'époque, on ne mettait pas tous les ingrédients là où il fallait les mettre. Et à partir de là, on a compris certaines choses. Après, il y a eu un recrutement aussi 4 étoiles avec du Sautoir, Albacete et d'autres. Mais en tout cas, le club a compris que pour gagner des titres, il ne suffisait pas que de faire ce fameux jeu de main, jeu de Toulousain. Puisqu'à l'époque, en 2006, on avait fini meilleure attaque. Mais par contre, toutes les bases du poste et du jeu, notamment dont je parlais tout à l'heure, la défense et la conquête étaient quand même assez moyennes. Et voilà, le 2007 est arrivé, Yannick Bru est arrivé, et nous, les joueurs de devant, on a changé notre façon d'aborder le rugby. Et voilà, cette pire défaite a été peut-être le start d'une belle épopée. Tu as gagné 3 titres de Coupe d'Europe. Si tu devais en garder un, ce serait lequel? Honnêtement, bon, les 3 sont beaux. Si j'en garde qu'un, ça serait le dernier. 2010, parce que l'équipe, je pense qu'elle avait un niveau de maturité vraiment assez exceptionnel aussi. On avait tous entre 25 et 30 ans, et on avait vraiment maîtrisé notre rugby cette année-là. Et en plus contre Biarritz, qui était nos meilleurs ennemis à l'époque. Donc je dirais le dernier. Le retour avec la Coupe à Toulouse, ça aussi j'imagine que c'est des souvenirs particuliers, des moments de partage avec le public. Tu as des images qui te reviennent en tête ou des moments peut-être à nous confier? Oui, mais les Toulousains sont moins friands de la Coupe d'Europe, j'ai l'impression, que du bouclier. Et surtout, à chaque fois qu'on a gagné, c'était souvent dans une période de la saison où il y avait encore des matchs à assumer derrière. Et ce qui fait que ça n'a jamais été des titres pleinement fêtés comme un bouclier.
Donc forcément l'encadrement qui nous mettait un peu la pression pour pas trop faire les idiots en ville. Donc pour le coup, c'était pas le plaisir de l'émotion, c'était plus le plaisir de la performance sportive, parce que ça c'est vraiment élevé son niveau de jeu durant les matchs de poule et les matchs de phase finale face à des équipes de niveau quasi international, hein, comme je sais pas, je pourrais dire Leinster, le Munster, l'Oise, enfin Bath, enfin voilà, que des grands clubs européens qui proposaient et qui proposent un jeu de très haut niveau. Justement, dans ce tour d'Europe, est-ce qu'il y a un stade qui t'a particulièrement marqué? Alors, des stades ou des vestiaires, alors le rugby a changé, donc, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'est vrai que c'était assez rigolo de voir les stades qui évoluaient et les vestiaires qui ne changeaient pas. J'ai en image le vestiaire de Sale, qui était un vestiaire de 6 mètres carrés peut-être, en bois. Donc ça, c'est des images d'Épinal, mais qu'on ne voit plus maintenant. On voit que des technostructures avec des choses très froides, très, très lisses. Et alors, ça, c'est peut-être l'âge qui fait ça, mais j'ai bien aimé ce genre de vestiaire. On a joué à London Road en 2003 pour la finale. Je crois que c'était un dernier match dans ce stade. Et c'est vrai que. À Dublin, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez épique de voir un train passer sous ce stade, du bois, des tribunes où les gens sont debout. Bon, mais là, tout ça n'existe plus maintenant. Mais voilà, je garde pour moi ces images-là, je pense, de vieux stades. Là, ce sera l'Arena, un stade couvert, aussi un stade un peu atypique. À l'image de ce vers quoi tend le rugby. Vers le spectacle, vers des toits couverts pour que le terrain ne glisse pas, pour que le ballon ne glisse pas, pardon. Voilà. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est que nos joueurs répondent le plus présent à ce nouveau rugby. Pour conclure, on termine sur ce fameux match de dimanche, hein, face au Racing. Pour toi, quelle sera la clé du match? Il y aura plusieurs clés. Ouais. Ça, c'est rare qu'il n'y en ait qu'une. C'est ça. Il faudra forcément avoir le ballon plus qu'eux. Donc, je ne vais pas trop en dire, mais c'est évident que laisser jouer le Racing sur ce terrain qui favorise l'attaque vraiment fort avec une équipe qui a des individualités hors du commun, forcément qu'on s'exposera avec des joueurs qui font beaucoup de passes au contact, qui font beaucoup de passes, il y a beaucoup de rucks. Nous, notre clé, quand on a gagné là-bas, ça a été ça. C'était que tous leurs standards ont été abaissés de plusieurs niveaux. Et donc, ils ont un petit peu déjoué. Et nous, on était au maximum de notre efficacité. Et voilà, c'était ce qui nous a fait gagner. Alors, je pense qu'un homme a averti en vaut deux. Donc, j'imagine qu'ils auront travaillé ce match-là, nous aussi. Donc, il y aura peut-être d'autres phénomènes de jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bataille de la possession de la balle sera sans doute une des batailles clés du match. Merci beaucoup, Jean. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. En attendant, bon match à tous. On vous rappelle, Racing Stade Toulousain, c'est dimanche à 16h15.